Salut à tous, c'est Fender31 et on se retrouve encore une fois sur Borderlands. Mais cette fois-ci, je vais faire une vidéo un peu plus courte pour qu'elle puisse passer sur Commentary FM. Bon, voilà, je vous retrouve exactement à l'endroit où je vous ai laissé la dernière fois. Mais bon, je fais un peu le tour car on dirait qu'il y a des nouveaux objets. Ah, un mode grenade. Je vais le prendre. Enfin, je pense, oui, je vais le prendre. Voilà. Comme ça on verra. C'est des grenades collantes. Bon, alors on va faire. Alors je dois aller dans l'autre zone. Voilà. Bon. J'espère que cette vidéo sera acceptée sur Commentary FR pour que je me fasse un peu plus connaître. Et que les gens puissent admirer mon travail, admirer, regarder. Et voilà. La vidéo va faire dans les alentours de 13 minutes. Et bon. Donc j'espère qu'on va bien avancer dans l'histoire. Mais bon, si on a des longs temps de chargement, ça va pas aller. Voilà. Les textures mettent assez longtemps. Voilà. Un petit moment avant d'apparaître. Je dois aller tout là. Je dois aller là. Ça va faire long. Heureusement, il y a une station de véhicule. Ici. Un truc que je vous ai. Oh non, ça fait rien. Alors, cette fois, je vais prendre la machine gun. Là. Je vais me faire téléporter dans le siège conducteur. Et on va y aller. Toujours le maniement de comme RCXD. Là on voit des éoliennes. C'est un paysage assez désertique par ici. Je dois aller par là. Je me rappelle de cette mission. Si on se prend les... Oui, c'est bien ici. Allez, on va s'amuser. On va se défouler un petit peu. Vous en dites quoi? Oh non, pas lui. Frappé. Critique, headshot. Bouclier. Allez hop. Voilà, parce que bon. Il va. J'ai pas envie de perdre maintenant, hein. Ce serait un peu dommage. Là, je me fais tirer de là-bas. On va prendre le bon shredder. Voilà. Alors là, je réussis un défi. Taratata. Alors, je ramasse l'argent. Alors, les munitions. Il fait tomber un shotgun. Que j'ai déjà, je crois. Alors, les munitions. Je dis pas non. Là, j'entends quelqu'un. J'entends quelqu'un. Ils sont de l'autre côté, je crois. Ou ici. Donc je fais gaffe. Ah, il est là. Il n'est plus là. Là, je fouille les casiers. Alors là, je trouve les clés de la. Voilà. Là, je gagne 1000. 440. Oh, alors là je me fais tirer dessus. Je préfère survivre. Et headshot. Alors est-ce qu'il y a encore quelque chose par ici? Non. Alors on va rire. Ah. Cette arme a plutôt du recul, elle a pas mal de recul, je remarque.
Alors, je vais prendre le. C'est vrai, j'ai trois armes maintenant. J'avais déjà oublié. Alors, lui. Headshot. Oula, frappe. Voilà, petit lag. Voilà. Il a disparu. Bon. On va rester un petit peu à l'écart. Bien. Oh là là. Voilà, headshot. Non. Pour la galerie. No scope. Ah, ça passe pas. Coup de scope. Oh là là. Voilà, on le finit en no scope. Alors lui. Voilà, headshot, no scope. Ça c'est du PGM. Ah, mince. Il nous reste 7 minutes. C'est bon, je suis largement avec. Voilà, je recharge. Je vais ramasser le butin. Je suis riche. Hein. Premier chat. Ah là là. Alors, je sais pas. On va le faire. On va se faire refuser à combat. Je crois que ce jeu-là, j'ai déjà. Alors, je lance une grenade. Vous voyez, ça c'est les. Ça c'est le mode grenade sous munition, je crois. Ah non, ça c'est les. Ça c'est les grenades qui rebondissent. Il me semblait que c'était. Enfin bref. Vous voyez ce que ça fait les modes grenade. Que je ne vous avais pas montré la dernière fois. Alors, je vais. Voilà, je me trompe de touche. Inventaire. On va lâcher ça car je n'aime pas trop. Voilà. Je ramasse le plus de mode grenade car ça peut s'avérer utile. Alors, il y avait des ennemis sur le toit. Je me demande comment ils sont. Je ne vois pas trop. Bon, c'est pas grave. Maintenant, je dois lui. Ok, je dois retourner là-bas. Donc, je reprends mon véhicule. Enfin, d'abord, je vais fouiller la zone pour essayer de récupérer le max d'argent. Là, il y a soit une mission dans ce genre de coffre. Voilà. Donc, ouais, je crois que c'est bon. On va pas s'éterniser ici. Sinon, ça va pas être très intéressant. Ah, je ramasse une mission. Hop. Je me suis pas amélioré depuis hier. Voilà. Je me prends tous les murs. Enfin, tous les rochers, pour être exact. Alors attendez. Bon, ça. Je dois aller juste ici. Voilà, je descends. Et je dois aller parler à lui, à ce monsieur-là. Et vous. Non, c'est pas lui. Ah, je dois aller dans l'autre zone. C'est avec l'ami. Ah, je comprends les missions maintenant. Alors d'abord, je vais me faire. Je vais m'acheter. Si j'ai, je peux. Un flacon de test en santé. Ça va pas me tuer. Et encore une fois. Et bon, allez, ça va aller. Donc maintenant on va dans l'autre zone. Oula, le temps passe vite. Donc, voilà. Moi j'ai pas grand chose à dire. Pour l'instant, j'espère que la première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le dire si vous en voulez d'autres. Ou même sur d'autres jeux. Voilà. Alors, je dois aller où? Oula, ça fait long quand même. Je vais m'acheter quelques munitions.
acheter les grenades. Voilà. Et voilà. On fouille. Et bon, j'ai mes munitions max. Voilà. Je vais devoir faire tout ce trajet à pied. Car il n'y a pas d'auto là. Alors là, vous voyez un gros skag. Un skag incendiaire. C'est-à-dire que. Il me semble qu'il peut nous brûler. Oh putain, alors là ça va pas. Furie parce que sinon ça ne va pas aller. Et je préfère ne pas mourir. Voilà, dans le Skagenir. Une nouvelle race de Skag. Encore un. Et voilà, je monte de niveau. Et je me trompe de bouton. Voilà, tralala. Ça va pas du tout. Voilà. Et hop, on va le faire. Oh là là, ça passe pas aujourd'hui. Voilà. Ah, vous voyez, j'ai augmenté mon expertise en shotgun. Alors, c'est-à-dire que maintenant, je vais pouvoir faire plus de dommages avec les shotguns. Alors je vais améliorer la compétence assurance vie. Voilà. Alors, un fusil d'assaut. Non merde. Allez, je te laisse là, je verrai. Je verrai après. Et enfin je vais vous laisser là parce que mon temps est parti. Et bientôt fini, donc je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et tout.